Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Train Home, et on se retrouve pour prendre la maison bâtie par Ipasiev, qui c'est sûr fait un petit peu miteuse pour une maison de tsar, hein, mais c'est censé être la maison du grand marchand. Donc, il nous restait un mec à éliminer, donc avant de prendre le truc et de déclencher les enfers, on va essayer de gérer ça. Toi, est-ce que tu peux avoir une vision là-dessus, sur ce jardin-là, à tout hasard? Ok, y'a un mec qui bêche ses choux. Comment je sais que c'est des choux? Bah, parce que ça ressemble à des choux, Chobiti, je suis désolé de te le dire. Mais... ça, c'est des citrouilles. Ça, c'est des choux, et ça, ça m'a l'air d'être des choux, mais ceux qui sont en racine, là. On a libéré la petite dame. Alors c'est cool parce que j'ai l'impression, j'ai pas vu ça dans les changelogs, mais je l'ai peut-être pas vu avant. Mais on dirait qu'il y a une mise à jour qui fait que maintenant quand on est en mode discret et derrière une couverture lourde, on est caché. Ce qui est quand même vraiment très 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 très, très sympathique. C'est des choux-pommes. On va envoyer juste une personne faire le tour par là. Alors attends, tu passes par où? Par là, non, c'est trop risqué. Je pensais qu'elle allait faire le tour par ici. Évite de passer par la route. Tu peux pas passer là? Ah non, pas là. Ah, on peut pas passer, ok, c'est un faux trou, très bien. C'est pas grave, c'était juste pour voir s'il y avait du loot, mais on avait déjà vu qu'ici non, j'y crois pas trop, donc on va se regrouper. Couvert par eux. Hop, sortez de la mode discrétion, préparez-vous à prendre ça. Non, ils sont pas marqués comme cachés, donc non, le vert ça doit être juste être pour indiquer la taille de la couverture. Já to nechápu. Kruci! No tak pohyb! Rudí rabují úplně všechno. Slyšeli jsme, že vy legionáři si vážíte kulturního dědictví stejně jako my. Prosím vás, zastavte Rudé, ať nám nerabují kostel. Když ochráníme náboženské dědictví, možná získáme politickou přízeň bílých. Postaráme se o to a zajistíme ten kostel. Počúvám. Ok, bah faisons ça. Déjà, on va ici. Première étape. Pour l'instant, c'est très en couloir comme zone, ce qui me va plutôt bien. Hein. Je mets là pour vérifier le loot. Kedel, je mets là. Ok, visiblement, on n'a rien raté. Pause. Ah, on a vu un ennemi fugitivement là, juste au moment où j'ai enlevé. Non. Ah, il est là. Ok, il est là. Oui, effectivement. Alors là, c'est un petit peu frontal comme approche. Est-ce qu'on peut voir un peu mieux ce qui nous attend? Ici, du tissu. On pourrait éventuellement y aller par le côté par là. En plus, il y a des arbres. Envoyer notre petite escouade d'assassins. Pour le moment, a fait montre d'une grande efficacité, je dois l'avouer. Alors attention quand même, si jamais il décide de faire demi-tour, ok, il n'y a personne. Il a vraiment fait du tour, très bien. Il a peut-être même moyen de le choper avec lui qui va très vite là. Vous allez vous infiltrer par là. Vizera to, že jsme
Presúvam sa. Počúvam. Ok, ok, ok. Il y a un drapeau là. Drapeau rouge. Pozriem sa. Juste en dessous d'un truc de métal. Sur une immense place, absolument pas discrète par contre. Pripravený. Va chercher le tissu, toi. Alors l'église est juste là. Ça me plaît pas trop, c'est hyper à découvert pour avancer jusque là par contre. Enfin, il y a des couvertures mais rien pour se cacher. On va faire un petit passage, ouais, ok, il y a du monde. Bon, rejoins par là, on laisse squad numéro 1, on va la faire progresser jusque là. On aura de la force en frontale s'il faut, avec la petite augmentation de défense. Idem. On va juste mettre un coup de binocle là. Ah, il y a du loot là. Je me disais, en plus c'est du métal, il nous le faut. Ah non, rozumiem. C'est risqué de passer par devant, de passer par derrière. Presuvam sa. Podľa rozkazu. Áno, pane. Vidím nepriateľa. Où est-ce qu'il est? Juste là. Ok, où ils sont deux? Ils sont deux, ils sont deux. Pozriem sa. Ok. Hľadám kryt. Deux, mais on peut éventuellement envisager de les éviter. Áno, pane. On va avancer jusque là avec lui pour avoir une bonne, un bon potentiel de. Pozriem sa. De jumelles, ok, on a un mec ici, un autre qui fait son tour là, et nous il faut qu'on prenne vraiment le côté, ouais, l'entrée de l'église, ok. Et ici ça a l'air d'être un peu calme, mais ça me surprend quand même. On va s'approcher. On voit rien a priori. On va juste vérifier l'angle mort là. Y'a que dalle, donc tu peux courir chercher ça toi. On met de la place. Très bien, fais le tour. Zaujímam pozíciu. Intéressant, on pourrait envisager du coup de passer par l'autre côté peut-être pour nettoyer un peu. Rozkazy. Presúvam sa. Hľadám kryt. Attention, on n'est pas caché là, hein, techniquement. Enfin, si on se met derrière la maison, on sera dans l'angle mort, mais... Vas-y, mets-nous un coup de jumelle par là. Ok, il y a quelqu'un ici. Très bien. Donc lui, lui... Un troisième, ouais, c'est celui qui est à l'intérieur. Oh, oh, oula, c'est chaud. Ouh, ça arrête juste à temps. Du coup, il est très loin. Attention à celui-là, là. Ah non, pane. Il fait des trucs à la con, on va se foutre dans le petit buisson là. Voilà, là on est caché là. Là on est caché. Donc visiblement il y a au moins 3 gardes. Donc je pense qu'on devrait pouvoir se débarrasser relativement aisément. Après il y en a peut-être d'autres qui papotent autour des barricades, mais on s'en occupera après. Lui il va que jusqu'ici, l'autre il va passer juste à côté de nous, on va choper au passage. S'il veut bien, bien sûr. Toi tu peux enlever tes jumelles vu qu'on a quelqu'un dans la place. Ok, c'est bon, il revient. Il revient et l'autre a pas encore fait son tour. Lui.
Je me disais la case vol, mais ah oui d'accord, il y a un mec juste en limite là. Ok, très bien. Lui fait demi-tour. Putain, lui il va nous faire chier par contre. Il va couvrir son pote. Ouais, il va être dans, juste dans sa vision quoi. Avec un peu de bol, s'il fait demi-tour au bon moment. Nickel. Vas-y, va jusqu'ici. Ouf, l'autre il s'est arrêté là. Juste à temps. Ok, parfait. On va pouvoir s'occuper de lui. Après on pourra se flanquer dans les buissons là pour s'occuper de celui-là. Et on aura déjà pas mal fait le taf. Il restera du monde ici. L'autre avec sa caisse là qui est en train de piller les reliques. On va s'occuper de ses fesses, le vilain. Urobím to rychle. Zaujímám pozíciu. Áno, pane. Vas-y, on va se mettre là. On sera nickel bien pour que l'autre finisse son tour et on le chopera de dos. En attendant, l'escouade numéro 1, commencez à avancer un peu. Alors lui, attention, il revient. Rotislav qui fait le taf sur cette mission de nouveau. Hein. Nos deux fusiliers, là, elle et lui, ils sont très très efficaces. Et Chopin qui se tourne. Parfait. On va pouvoir progresser avec l'escouade numéro 2. Et recaler une jumelle là pour voir un peu ce qui s'y passe. Donc là il y a une vieille femme, c'est pas un prêtre, c'est pas un prêtre. Alors, ça se voit qu'on lui il a pas le truc qui fait qu'il va plus vite hein, la vache. Allez. Mets-nous une petite vision. Ok. On a un mec qui patrouille. Et l'autre qui pose porte ses caisses. Poczuwam. Prends elle pour changer. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup d'endroits où se cacher. Non. Trousse de secours, tissu. Très bien. Là c'était encore du tissu je crois, il y avait un truc ici, non? Il y avait pas un truc ici? J'étais sûr d'avoir... Ah non c'était la civile que j'avais vue. Ok. Comment on va gérer ça? Il faudrait qu'on s'occupe de lui, peut-être en passant par là, mais c'est quand même hyper à découvert. Un petit caillou? Ah il a pas de caillou, fait chier. Ok, pas de caillou. Rapproche-toi toi. Ici, y a personne d'autre, si y a un mec là. Ah, ils étaient deux. Ouais, ils étaient deux ceux-là. Les deux qui font leur popote là, et vu ce qu'ils voient, ils vont nous empêcher de prendre le loot. Ce qui est embêtant, en plus, ils vont être en plein dans la vision là, donc il faudrait qu'on s'occupe d'eux. Ok, ça veut dire que ça, c'est une mission pour nous. Plutôt nous mettre. Une vision juste là, voilà, on va les surveiller. Ici on pourra se planquer éventuellement. Est-ce qu'il y a du loot là? Ça non, c'est pas du loot. Je pense qu'on a carrément moyen de se foutre dans leur dos là, attendre qu'ils arrivent ici et il y a toute la rue pour les rattraper, les choper, ça va le faire. Utiliser une grenade pour ça, c'est bon. Ah non, pas de. Allez, c'est parti, les gars. Ma chère rozkazy, podľa rozkazu. Quoi alors après? Som tu. Hlavne potichu. On a un petit décalage, mais ça devrait être suffisant.
Parfait, allez vous planquer là. Vous serez prêt à l'action comme ça, même s'ils sont clairement plus lents que les fusillés. Alors du coup, on veut une vision sur tout ça. Lui, s'il va pas plus loin que là, ça veut dire qu'on a un angle mort ici, on pourrait se foutre. Qui serait intéressant. Sachant que lui, globalement, est-ce qu'il se tourne à un moment vers là, quand il prend sa caisse? Ouais, il va pas jusque là, on pourrait le choper. Par contre, ouais, on serait vu à ce moment-là, ok, donc ça marche pas. Il va falloir qu'on lui jette un petit caillou. Du coup, tu peux jeter ton petit caillou, toi. T'as peut-être moyen. Non, c'est trop short. Il va falloir que tu te rapproches par ici pour te planquer là, balancer ton petit caillou ici. Allez, viens. Tu peux te mettre en mode visible. Hein. Pas de raison d'être discret là pour le moment. Voilà. Viens là, il est en train d'arriver. Vas-y, balance ton caillou. Ah merde, il a fait demi-tour l'enfoiré. Trop vite. Bon, du coup c'est plutôt toi qui es du bon côté, donc on va te préparer. Ça cache pas la vue, hein. Allez, on se bouge. Non, on chopera pas. C'est pas possible. Donc il nous faut une vision si on veut pouvoir lancer notre caillou. Mets-nous une vision là. On peut pas la tirer si loin en plus. On va faire simple. Tout qui fait demi-tour, voilà, on sort. Voilà, ça c'est fait. Ça nous a coûté une munition, mais au moins. Il est nettoyé. Ah non. Maintenant, à toi. À un moment, faut arrêter de nous embêter. Vas-y, sors de truc. Remets-toi comme ça. Putain, on a vu quelqu'un là-bas. Ah la vache, d'où ils sortent tous ces cons. Ah oui, c'est carrément les renforts là. Ah, c'est parce que j'ai commencé à le prendre que ça a déclenché les renforts. Oh putain, une grenade là. On va tenter la petite grenade là. T'as combien de portée? Bonne portée. Hein. Vas-y, va te planquer derrière ça. Ah, c'est un chouï trop loin. Viens là. Petit chouï trop loin également. Ok, on va se mettre en position du coup de défense avec tout le monde. Alors, plutôt des couverts lourds si on peut. On n'a pas vraiment des masses malheureusement. Vous venez aussi.
toi tu vas te mettre au milieu avec ta petite aura. C'est pareil, venez. Toi, ramasse le loot pendant qu'on y est. Voilà. Elle a moins aimé la... Elle met sa petite portée là. Alors on va mettre un personnage de plus par là-bas pour couvrir l'arrivée de ce côté-là. Toi, déploie-toi. Parfait, on enlève tout le monde. Comme ça on libère. S'il y a du renfort, on les allume. Ok, on a libéré, maintenant on capture. Allez, allez. Děkujeme, legionáři. Excellent. Na vaši laskavost nezapomeneme. Musíme pokračovat v původní misi a dostat se do rudého tábora na druhé straně města. Zdá se, že městu teď vládnou rudí. A my jsme si mezi nimi od našeho příjezdu moc přátel neudělali. Aspoň jsme zajistili okolí toho kostela. V případě potřeby tam můžeme kdykoliv ustoupit. Nezmysel. Mali bychom se snažit postupovat a zaujat strategickou pozici bližšie k táboru červených. Rudí tyhle ulice znají. Dokážou nás zlikvidovat během okamžiku. Buďte stále ve střehu. Ok, on va certainement passer au centre. Hein. Ici on a moyen de progresser avec des couvertures. Donc on va le faire. Mais c'est pas votre garde, des fois qu'il y a des gens là. C'est bon, on se faufile. Où ça? Ouais, on a dû en apercevoir un, hein, ouais, juste là, là, de justesse là. Ok. J'imagine que oui, voilà, là ils sont bien planqués. Par contre, il y a du loot. Munitions de fusil, grenades, bon, deux maximes. Mais on peut les prendre de dos probablement. Ok, très bien. Donc clairement on va pas prendre le pont, hein. Pas fou. On va essayer de faire le tour par là. Alors avant quand même. Ok, ça a l'air calme à première vue. On va mettre un petit peu plus de jumelles pour être sûr, mais ça a l'air quand même plutôt clean. Il y a un peu de loot là. Par ici. Ok. On a moins d'endroits où se cacher ici, mais comme je m'y attendais, il y a un petit peu de loot, c'est un entrepôt. Enfin une gare, on pourrait dire. Vu qu'on va devoir avancer à découvert, ouais, du monde, là. Ouf, il y a du grenadier là. Et là un fusilier, ok très bien, mais ils ont pas l'air de vouloir traverser le pont. Lui il couvre le pont, ce qui est pas cool. Ça va être compliqué de le passer. Il faudrait éventuellement qu'on passe pareil dans le dos. Vas-y, il faut faire le toit jusque là. De toute façon il voit pas sur le côté. Donc on peut au moins aller chercher ce carburant tranquillement. Tant qu'on longe bien le mur en tout cas. Alors ça sera un excellent boulot pour le tir critique, mais notre tir critique est de l'autre côté. Donc on va voir si on peut faire sans ça. Donc ok, ici on est d'accord, il y a du monde. Ah putain, là aussi. Doucement. C'est vrai que j'ai pas éclairé ce qu'il y a là, là. Ah mais là aussi, il y a un grenadier qui couvre le petit pont. Les sagouins. Les sagouins. On a utilisé une grenade et une munition. Fait chier quoi. Bon. C'est à quoi comme portée ton truc là? C'est pas marqué.
j'imagine que ça doit être ta portée de tir probablement. Vas-y, avance de couverture en couverture. Ah. On va déclencher un truc. Allez, fumier. Ah, le fumier. Putain, comment ça se fait trop pas? Il a défoncé le pont. D'accord, je vois. On veut jouer au con. D'accord, donc ça veut dire demi-tour. On va laisser un grenadier là. Parce qu'on peut leur balancer une grenade d'ici si on le souhaite. Qu'est-ce qu'ils ont fait là du coup? Il arrête de faire sa ronde l'autre ou il continue de faire sa ronde? Ils sont barrés, ok, très bien. Et du coup ici, il y a beaucoup plus de monde. Ah la vache, les salauds. Bon, essayons de voir si on peut se débrouiller avec lui. On va passer au large de la barricade. C'est où ça? Non, c'est un bordel. Alors lui, il voit jusque là. Okay. On va essayer de passer par derrière le bâtiment. Si on peut lui caler un tir critique avant qu'il lance sa grenade, ce serait quand même pas dégueu. Hein. Mettez-vous en position de défense, vous. Pareil pour toi. Et prendre un peu en tir croisé, même si on est que 3. Toi, il nous faut quand même des jumelles ici. Voilà. Alors si je demande un tir critique sur celui-là. Tu vas où? Flanque-toi. J'ai l'impression qu'il était en train d'essayer d'aller chercher un tir direct là, ce qui n'est pas idéal, on va dire. Alors attention, là on n'est pas planqué. Balance un caillou. Non, on va faire une tour. Ok, zut. Eh ouais, on n'a pas une portée si importante que ça, malheureusement. Ah non. Vas-y, on va essayer de le faire venir. Pas plus. Ok, ça va être pas simple du coup. Ça va être pas simple hein, de passer. S'il nous refait péter le pont, l'autre con là. Je peux l'essayer de le faire s'approcher. Genre en venant un peu plus par là. Hey, c'est toi. Allez, venez plus près. Déjà ça le déclenche pas, j'avais peur de le déclencher mais ça le déclenche pas. Oh l'enfoiré, il m'a mis une balle direct quoi. Postarám se o to. Útočím. Vaše rozkazy. Ochutnej naši ocel. Bon. Il a un petit peu pris cher lui.
Mais au moins, on a notre pont. Pripravený. Zaujímam pozíciu. Ce qui est pas si mal. On va essayer de progresser du coup avec eux. Ano, pane. Visiblement, on n'a pas déclenché d'autres personnages ni d'alarme. C'est déjà très bien. Planquez-vous là. On n'a pas de soigneuse sur le terrain là. Non, ils sont tous là-bas. On le soignera en repassant. On va dire. Alors, à quoi ça va ressembler? Ok, ici on a des gens qui papotent, très bien. Et plutôt par là, il n'y a personne. Ok, on a les gens qui papotent. S'il n'y a que ça, ça va, franchement, c'est gérable. On va juste faire un petit coup d'œil par ici. Pour être sûr qu'il n'y a pas de loot, il n'y a pas de loot. Ici il y a du métal, c'est excellent. On a récupéré combien de métal? 90, très très bien. Je vais bouger un truc, non, il y aurait une pause si j'avais bougé un truc. Hop, on ramasse, merde, il m'a vu. Planque-toi. Podľa rozkazu. Nikoho net. Áno. Alors, voyons un petit peu juste là. Vérifier qu'il n'y a pareil pas un petit loot. Parfait, du métal, excellent. Vidím nepřítele. Ils sont de dos, donc pas d'inquiétude. Ok, alors maintenant comment on va faire pour se débarrasser de ce petit groupe? Il y a des trucs pour se planquer, mais c'est quand même très proche d'eux. Il faudrait qu'on approche pile comme ça, mais si on fait ça, on va devoir de toute façon se montrer à un moment. Donc il va probablement falloir qu'on y aille avec des petits cailloux. On va avancer vraiment pile dans l'angle mort là. Pas d'autre endroit où grimper, hein, on est d'accord. Par là-bas. Il y a personne, mais il n'y a rien pour se cacher non plus. Ils sont bien placés, hein, les ennemis, hein, sur cette map. Je peux tenter un grid, genre j'avance pile comme ça, je me mets le plus proche possible de leur vision. Je leur lance un caillou pour qu'ils me tournent le dos. T'as pas de caillou toi. Toi t'as un caillou. Je leur lance un caillou pour qu'ils me tournent le dos et je charge ou je me faufile, on va voir. Ce qui marche le mieux. Non, ça marche pas. Faut dire que je l'ai lancé dans la maison, donc c'est pas très logique. Si je le mets genre juste à leur pied là. Il y en a un qui s'est tourné. On peut passer par là. Avec les deux là. Ok, il me voit. Plus le temps. On charge. Jsem připravena. Vydržte. Útočím. Ano. La charge proche quand les ennemis sont proches. Ça manque un chou de précision, on va dire. Bon, au moins on a réussi à les gérer. Sans se prendre de dégâts supplémentaires, c'est déjà pas mal. Planquez-vous. On va aller mettre des petits coups de jumelles des familles. Là on a des grenades, là on a du tissu, parfait. On va juste surveiller un petit peu ce qu'on voit. Donc ici personne, excellent. Là-bas c'est le bord de map, donc il n'y a personne. Vas-y, va chercher le loot. Ça c'est en dehors de la map, ok, donc ça sera plus tard.
ce sera plus tard. Už idem. On va avancer jusqu'à l'angle mort là. Et reposer nos jumelles d'ici. Bon, c'est sûr que quand on y va comme ça, c'est moins... C'est moins la violence, hein, c'est plus loin. Ok, donc là il y a un mec qui fait sa popote. Et là il y a notre copain grenadier. Et ils ont fermé ce côté là, donc ils surveillent bien ce côté là. C'est des salauds, hein. Cela dit... Il y a un truc pour se cacher là. Ouais, c'est chaud au niveau angle. Hein. Ah non. Toi, genre, si tu viens jusqu'ici. C'est quoi tes possibilités? Tu peux attirer celui-là avec un caillou en plein milieu de nulle part, ok. Ils sont trop loin pour un tir. Lui, il voit tout ça, donc il faudrait l'attirer genre par ici avec son caillou, mais alors après. Après, pour le tuer, on n'est pas non plus très bien, quoi. On va te ramener tout le monde. Ok. Et du coup, on va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.